Pas oublier que les gens sont de mieux en mieux formés. Aujourd'hui, il y a une réflexion qui est arrivée, etc. Alors, c'est comme dans tout, c'est comme dans la haute couture ou dans la cuisine. Il y a des excès qui sont nécessaires pour faire bouger les choses. Et puis, il y a des mouvements de balancier, ça revient, ça repart. On a fait beaucoup de bières avec des épices dans tous les sens, qui n'avaient aucun sens. On revient à quelque chose de plus essentiel. Beaucoup de blondes reviennent, beaucoup de blondes légères. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et quelque chose à redécouvrir. J'adore déguster, consommer des produits du terroir. Et donc, le monde brassicole m'intéresse depuis mes études en ingénieur brasseur. J'ai voulu concrétiser mon rêve en produisant mes propres bières. Alors moi, je suis un faux amateur de bière. J'aime bien une bonne bière classique. Je déteste le zapping gustatif tel qu'il est à la mode aujourd'hui. Les brasseurs sont face à un problème. D'ailleurs, c'est que la clientèle qui commence à aimer la bière, quand il va dans un bistrot à bière, il a besoin de goûter 5 bières différentes. Il faut des goûts nouveaux, etc. On est dans le zapping permanent. Moi, j'aime bien quelques bières auxquelles je me tiens. J'aime bien les bières très classiques, la gueuse de chez Cantillon, etc. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est le retour à certaines bases. Là, on revient à des choses. Faisons bien ce que l'on sait faire, concentrons-nous là-dessus. Et par exemple, les blondes me plaisent beaucoup parce qu'on a un retour de la blonde vraiment intéressant, gustativement bien net, même si les hommes savent pourquoi. Maintenant, c'est intéressant de savoir comment. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette parce que pour avoir un comparatif, il faut goûter des choses que l'on comprend. C'est la musique classique, c'est ça. Hein. Comment est-ce qu'on sait qu'un concerto est magnifique? Ben, parce qu'on l'a entendu jouer et dirigé par d'autres personnes. Et soudainement, il y en a un qui sonne... qui nous touche beaucoup mieux. Mais c'est la même chose avec les blondes, par exemple. On est face à des bières qui sont identiques à peu de choses près. Et puis, on a une où on dit « Ouh, ça, c'est quand même... » Et c'est ça que j'aime dans la bière, en fait.